C'est ici, au cimetière de Rouigui, que Maggie Barranquitte s'est enterrée elle-même tous ses amis. 20 ans après, cet endroit est devenu pour elle un sanctuaire, où dans la prière, elle puise son courage pour offrir de la tendresse et de la joie au quotidien. Ici, c'est plein de bébés que j'ai ramassés à côté des corps de leurs parents. J'ai perdu mes amis que j'aimais tant, mes collègues. C'était catastrophique. On a vu les hélicoptères des parachutistes venir. Je suis sortie la première, je dis, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes princes et princesses. Ne touchons pas à la vie. Puis ils ne m'ont pas écouté. Ils ont mis le feu, puis ils ont commencé à les assassiner. Tous devant moi. On a commencé à leur donner un peu d'argent pour qu'ils laissent de tuer les enfants. Et le soir, après tout ça, il y avait 25 enfants rescapés. Ils étaient Hutu et Tutsi. Et je leur disais, nous allons prier et apprendre dès le départ le pardon. Je dis, mes enfants, c'est pas le moment. Même moi, je ne sais pas comment pardonner à ceux qui ont fait ça. Mais nous ne pouvons pas garder la haine dans notre cœur. Mais non plus, nous ne pouvons pas nous taire devant des crimes pareils. La guerre entre Tutsi et Hutu commence le 21 octobre 1993, avec l'assassinat du président de la République. Plus de 700 000 personnes se réfugient dans les pays limitrophes. Et dans cette tragédie, les enfants sont en première ligne, enrôlés de force dans l'armée ou assassinés. 300 000 d'entre eux se retrouvent orphelins. Un dicton burundais dit « Si tu poursuis la vengeance, creuse deux tombes, une pour ton ennemi et une pour toi. » Cette guerre fera des centaines de milliers de morts. Pendant qu'Hutu et Tutsi s'assassinent à coups de machette, pendant que les flammes de la haine enveloppent et brûlent le pays, Maggie Barranquitte, forte seulement de sa foi, sauve autant d'enfants qu'elle le peut autour d'elle. Et dans le chaos et la mort, elle trouve au jour le jour les moyens de leur donner un toit et de la nourriture. Très vite, elle se retrouve à la tête de plusieurs dizaines d'orphelinats. Et ce sont plus de 20 000 enfants qui sont ainsi sauvés. Aujourd'hui, Maggie Barranquitte fête les 20 ans de la maison Shalom. Sur la lancée de cette première demeure qui abritait les orphelins du conflit, elle a créé une maternité, un hôpital, une bibliothèque et un cinéma où elle donne une formation et un métier aux jeunes adolescents perdus. Tout ce qu'elle touche se transforme par la force de l'amour et devient espoir de vie. Moi, je ne vais pas m'arrêter sur cette misère. Je vais m'arrêter sur ce que nous pouvons faire pour faire renaître l'espérance. Nous sommes des bâtisseurs d'espérance.